Voici le voyage de l'escargot de Ruth Brown aux éditions Gallimard. Bavou l'escargot commença son voyage par un matin lumineux et ensoleillé. Il gravit un coteau très escarpé, traversa un tunnel vraiment lugubre, s'enfonça dans la forêt très silencieuse, franchit un pont vertigineux, descendit une pente très glissante, atteignit un arceau très étroit, dépassa quelques fleurs ravissantes et arriva dans une sombre, très sombre cave. Il se recroquevilla dans sa coquille, très petite, et tomba rapidement dans un profond sommeil. On refait le voyage de l'escargot ensemble. Vous voyez le coteau escarpé? Le tunnel lugubre? La forêt silencieuse? Le pont vertigineux? La pente glissante? L'arceau très étroit? Les fleurs ravissantes? La sombre cave?